mercredi tout le monde. Comme vous le voyez, je suis à l'extérieur avec ce beau soleil que j'ai vu ce matin en me levant. Je me suis dit, pourquoi pas en profiter, étant donné le confinement, ça fait du bien d'être à l'extérieur quand il fait beau. Alors, continuons cette semaine avec l'épée de l'esprit, qui est la première partie offensive de l'armure. Ou plutôt, oui, offensive, c'est ça, je pensais de m'être trompée. Donc, qu'est-ce que l'épée de l'esprit? L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est beau une Bible. Moi, en tout cas, ça, c'est un beau cadeau que j'ai eu, puis c'est très beau. Mais si on ne prend pas le temps de la regarder, de lire ce qui est écrit à l'intérieur, ça ne sert à rien. C'est pour ça que cette semaine, on va apprendre c'est quoi l'épée de l'esprit, puis comment s'en servir. Celui qui vit et qui marche dans l'esprit n'est pas atteint par l'arme de Satan, ni renversé par ses artifices. Dès lors, l'esprit nous montre ce qui est nécessaire. Donc, si on sort notre épée de l'esprit et qu'on l'utilise, donc si on prend le temps de lire notre Bible, on va avoir des armes pour combattre l'ennemi, pour ne pas se faire avoir. Et comme je le dis à chaque semaine et que je vais le répéter encore aujourd'hui, il ne faut pas attendre d'être dans des problèmes, dans nos mauvais jours pour revêtir l'armure. Il faut la mettre à tous les jours. Comme ça, on est prêt à combattre si l'ennemi nous attaque. Donc, excusez-moi, j'avais mélangé mes feuilles. C'est quoi le but, le premier but de Satan, notre adversaire? Hein, notre adversaire, c'est Satan, et c'est lui qui essaie de nous mettre des bâtons dans les roues quand on affirme croire en Dieu, qu'on affirme servir le Seigneur. Lui, il est là, puis il n'est pas content, puis il veut nous mettre des bâtons dans les roues. C'est quoi son premier but? Son premier but, c'est de garder à tout prix les hommes, ses victimes, ses esclaves, sous sa domination. Quand il voit qu'il ne peut pas réussir, puis que par la puissance de Dieu, ses esclaves sont prêts de lui échapper, il les poursuit. Rappelons-nous l'histoire de Moïse, quand le peuple a été enfin libéré et que Pharaon a dit « c'est beau, allez-vous-en ». Quand Pharaon a réalisé qu'il venait de perdre la bataille, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il a dit « oh, c'est pas grave, on va de l'avant ». Non, non, il a voulu aller et il a envoyé son armée poursuivre les enfants d'Israël. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les enfants d'Israël avaient baissé la garde. Et quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, qu'est-ce qui est arrivé? Là, ils se sont mis à chicaner Moïse. « Tu nous as emmenés dans le désert, on va mourir là. Qu'est-ce que tu as fait là? Voyons donc, blablabla, blablabla. » Heureusement, dans l'histoire, Moïse avait gardé la foi et Moïse avait encore l'épée de l'esprit avec lui. Et il a été obéissant, et par son geste et par la puissance de Dieu, la mer Rouge, hein, on le sait, elle s'est ouverte et les enfants de Dieu ont traversé. Et quand l'armée est arrivée, ben, l'eau s'est refermée sur eux puis ils ont été libérés. C'est un petit peu la même chose avec nous, avec le diable. Quand il voit qu'on est pour gagner, ben, il va puis il vient nous attaquer encore plus. Mais nous, si on garde nos yeux fixés sur Dieu, puis qu'on lit sa parole, puis qu'on a les bonnes armes pour le combattre, on va réussir. Enfin, le combat du chrétien est le combat de l'Évangile. Si, quant à nous-mêmes, nous n'eûmes rien à faire qu'à croire à l'amour et à la puissance de Dieu pour échapper à l'esclavage de Satan, il est d'autres pauvres pécheurs retenus dans les liens qui nous enlaçaient autrefois. Nous avons à combattre l'ennemi pour atteindre les consciences et les amener à se confier comme nous dans le Seigneur et Sauveur Dieu. Tel était le combat des Philippiens. Ça dit, de son côté, l'apôtre livrait seul ce combat. Il s'associait aussi avec d'autres croyants. Mais il vivait le combat de la foi. Les armes du combat pour l'Évangile sont offensives. Donc, la parole et la prière sur lesquelles on est en train d'étudier. La prière, on va y revenir la semaine prochaine. Vous savez, Jésus revient bientôt. On ne sait pas quand. Puis ça dit aussi qu'on ne le saura jamais la date exacte. C'est pour ça qu'il faut être prêt. C'est pour ça que si vous entendez ce message aujourd'hui et que vous n'avez jamais demandé à Jésus de venir dans votre cœur, c'est encore le temps.
N'hésitez pas, faites-le. Ça nous dit aussi dans 1 Pierre 5, 8 et 9 d'être sobre, de veiller, car notre adversaire, le diable, il est comme un lion rugissant, il rôde autour de nous, cherchant à dévorer, et il faut lui résister et rester ferme dans notre foi. Ça, c'est 1 Pierre 5, 8 et 9. La parole de Dieu est vivante, puis est opérante, est plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle. Et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Ça veut dire que quand on prend le temps de l'ouvrir et de regarder ce qui est écrit à l'intérieur, eh bien, on grandit. On s'affermit, puis on est capable de résister au diable. Pour surmonter et vaincre notre terrible ennemi, une chose nous est nécessaire, la force. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans la puissance de sa force. Cette force, nous ne la trouvons pas en nous, mais dans le Seigneur. Bienheureux l'homme dont la force est en toi. Il marche de force en force. Ça, c'est dans Psaume 84, 5 et 7. Ce n'est pas tout de connaître la grâce sans laquelle nous ne pourrions jamais être amenés à Dieu, ni introduits dans les bénédictions célestes, ni préservés de chute, mais il nous faut encore de la force pour le combat. Nous, chrétiens, nous devons la chercher et Dieu la donne gratuitement. À qui la lui demande? Elle est toujours à notre disposition et consiste en une armure que nous trouvons toute préparée par Dieu pour nous permettre de remporter la victoire. Cette armure doit être complète. C'est en outre une armure de Dieu. Elle lui appartient et lui seul peut la donner. Donc, je ne peux pas dire, moi, là, tu sais, un soldat, s'il s'en va à la guerre, qu'il met son manteau, il met ses bottes, puis il s'en va de même. Premièrement, il a pas de pantalon, hein, il est dévêti. Deuxièmement, il n'a aucune arme pour se protéger. Il n'a pas de casque, sa tête est à l'air. Peut-être qu'il y a des chances de revenir en mille morceaux. Par contre, s'il prend le temps de mettre son chapeau, de prendre son arme, là, il va être bien protégé. Ayant été formés par la parole pour résister à l'ennemi, nous avons maintenant à saisir cette même parole comme épée pour le forcer à abandonner la partie. Il est important de remarquer que le chrétien n'obtient aucun effet réel de la parole et ne peut remporter par aucune victoire et connaître à peine l'usage si on n'en fait pas l'expérience nous-mêmes. C'est bien beau de dire aux autres, lis ta Bible, prie à chaque jour, donne ta vie à Jésus, mais si toi tu ne fais pas la même chose, si toi tu ne le mets pas en pratique dans ta vie à toi elle va être perdue. Quand même que tu l'aurais dit à 1 million de personnes, toi en premier, tu dois te mettre le nez dans la parole, tu dois l'étudier. Quand nous sommes pleinement dans la puissance avec notre relation avec Dieu, nous pouvons prendre l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Si l'âme n'est pas en communion avec Dieu, elle ne saurait manier sa parole, qui est la parole de Dieu, en son nom. Ce n'est pas une arme charnelle dont on puisse se servir avec une force charnelle ou une sagesse charnelle. Elle est l'épée de l'esprit, elle est aiguë, elle atteint la conscience, même celle des plus endurcies. Lorsqu'elle est bien appliquée, elle fait plier et subjuguer les plus orgueilleux. Mais si l'âme n'est pas avec Dieu, on n'aura pas la pensée du passage convenable. Et ce passage ne sera pas accompagné de la puissance de Dieu. Remarquez bien qu'il n'est pas fait mention ici de la parole comme d'un moyen d'édification, car elle n'est pas alors une épée, mais comme d'une arme pour la lutte. L'arme de notre guerre sont spirituelles pour la destruction des forteresses. Dans le combat, la parole de Dieu, lorsqu'elle est employée dans l'esprit, apporte avec elle la lumière dans l'âme, quant à notre position entière dans la lutte, répandant la lumière de la pensée de Dieu sur toute la scène et toute la question qui sont devant nous. Cela inspire une confiance dont celui qui ne possède pas cette lumière ne peut se faire la moindre idée. Je vais vous donner un exemple ici. Vous voyez, avec tout ce qui se passe autour de nous maintenant, puis qu'on est confinés chez nous, il y a quelqu'un qui a parti ça un jour, puis là, on est tous en train de le faire. On met à nos fenêtres une arc-en-ciel avec « Soit restez chez vous, ça va bien aller » et tout ça. Moi, j'ai osé écrire « Jésus t'aime ». Pourquoi?
parce que je trouvais que c'était important que les gens sachent que même si ça va bien aller, même si tu restes chez vous, tout va rentrer dans l'ordre, mais ton âme, elle, est-ce qu'elle va bien aller? Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, là, ici sur la terre, tout peut rentrer dans l'ordre. Mais quand tu vas mourir, tu vas aller où? Tu vas aller avec qui? Donc, j'avais à cœur de dire aux gens que Jésus les aimait dans toutes ces circonstances-là, puis que c'était important de penser au retour de Jésus. Et j'ai partagé ça sur une page sur Facebook, et je m'attendais à des réactions, mais à ce point-là, oh là là, tellement que les organisateurs de la page ont été obligés de l'enlever parce qu'il y avait des gens qui étaient vraiment irrespectueux. Ça a été assez spécial, mais dans tout ça, ce que j'ai vu, c'est que la guerre, là, n'est pas sur la terre, elle est spirituelle. Quand nous, on a l'Esprit de Dieu en nous et qu'on veut la partager, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, ça fait des frictions et c'est « watch out ». Ce qui est important dans tout ça, j'aurais pu dire « ah ben oui, ils ont raison, je ne mettrai pas Jésus », puis j'aurais pu reprendre ma photo, puis coupe, vous savez, avec aujourd'hui là, tous les logiciels qu'on a pour faire des photos belles, puis tout ça, j'aurais pu couper le bout qui dit « Jésus t'aime », repartager ma photo, puis ça aurait été bien correct. Mais j'ai dit non, je vais tenir ferme, je trouve important de savoir que Jésus nous aime, et je trouve important de le dire. Donc, c'est ça ma petite expérience. Il ne faut pas avoir peur en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, de dire que Jésus revient bientôt, puis de proclamer sa foi. Encore plus de nos jours, c'est vraiment, mais vraiment important. Je vous encourage à être une lumière pour ce monde perdu, à être là quand ils vont avoir besoin. Si toi, tu es là aujourd'hui, que tu entends, tu es tombé sur mon vidéo, puis que tu ne connais pas Jésus, puis que tu veux savoir c'est qui Jésus, je t'encourage à la fin du vidéo et dans la description, tu vas voir mon courriel. Ben, je peux le donner ici tout de suite. Tiens. MISYL, donc missile, 2009, @commercial.gmail.com. N'hésite pas à m'écrire. Je vais t'aider dans ta démarche, ta nouvelle démarche avec Jésus. Quand on lit la parole, on ne prend pas ça comme un petit livre, là, puis bon, OK, Moïse convoqua tous les Israélites et leur dit, vous avez blablabla, blablabla. Non, on demande au Seigneur de nous éclairer, de nous montrer qu'est-ce qu'il veut dire, parce que c'est Dieu qui a permis l'écriture de cette Bible-là. C'est lui qui veut nous parler à travers sa parole. Aussi, nous sommes tant de fois vaincus dans les combats que livre l'ennemi contre l'homme céleste. L'homme céleste, c'est l'homme qui, mort et ressuscité avec Christ, vit d'une vie de résurrection. Christ, le véritable homme céleste, est notre parfait modèle. Chez lui, il n'y a rien de la chair, alors qu'elle est toujours en nous. Il nous faut donc réaliser, pratiquement, que nous avons dépouillé le vieil homme, mais si notre introduction dans la condition céleste nous sépare du domaine de la chair et du sang, elle nous met en présence de la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes dont nous avons à subir les assauts. L'homme parfait, l'homme Jésus-Christ, a remporté la victoire. Hein? Il est allé sur la croix pour nos péchés. Parce que si lui ne serait pas venu sur la terre et ne serait pas venu mourir sur la croix, là, ben, on ne pourrait pas rien faire. Mais grâce au Seigneur, grâce à Jésus qui est venu parce qu'il nous a tant aimés, Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Puis son Fils nous a tellement aimés qu'il est allé mourir sur la croix. Par la suite, on le sait, hein? Pâques s'en vient bientôt, là, on l'entend chaque année. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas resté parmi nous. Non, il est retourné nous préparer une place quand on va aller le rejoindre et il nous a envoyé son esprit. Donc, utilisez l'épée de l'esprit aujourd'hui encore plus que jamais à travers vos batailles. Remportez des victoires pour Jésus. Soyez une lumière pour ces gens dans les ténèbres qui ne comprennent pas ce qu'on vit présentement et qui ne savent pas trop comment s'en sortir. Si t'es là encore, la personne à qui je parlais tantôt, si tu as tombé sur mon vidéo et tu as écouté ça jusqu'au bout, puis tu es encore là puis que tu veux avoir, tu as une soif de Jésus, tu veux comprendre c'est qui Jésus puis pourquoi il est venu mourir sur la croix, puis que tu veux le laisser entrer dans ton cœur, je t'invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Viens transformer ma vie. Fais de moi ton enfant. Aide-moi à devenir un
nouvel homme et à te suivre. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière-là et que tu étais sincère et que tu veux vraiment avoir Jésus dans ton cœur, que tu viens de demander à Jésus d'entrer dans ton cœur, si tu n'as pas de ressources autour de toi, n'hésite pas, je répète, misyl2009@gmail.com. Viens me parler. Puis si tu peux même laisser un commentaire ici, là, puis n'oubliez pas, n'hésitez pas, aimez la chaîne, partagez-la en grand nombre. Faites connaître Jésus aux gens qui ne le savent pas puis qui ne le connaissent pas. Puis pour vous, les chrétiens qui êtes là puis qui m'écoutez, sortez votre armure, revêtez-la tous les jours, soyez de plus en plus forts, soyez une lumière à travers ces ténèbres. Et je vous dis, lâchez pas, on est capable, ensemble, on va aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, jusqu'au retour de Jésus. Je vous laisse avec ce petit chant-là qui dit « Sonde-moi, ô Dieu ». Recueillez-vous et sondez vos vies. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient à l'encontre de ce que Dieu veut pour vous? Si oui, demandez-lui pardon. Demandez-lui d'enlever ce qui ne va pas. Puis allez-y, soyez plus fort que jamais. Alors sur ça, je vous dis bonne semaine. On n'oublie pas, on garde le sourire, on reste chez nous, on se lave les mains souvent, on se désinfecte si on a besoin d'aller à l'épicerie. On continue de prier pour tous ces gens qui, d'ailleurs, je les remercie, sont au combat, qui nous aident, qui sont dans les épiceries, qui sont dans les hôpitaux et qui nous aident à passer au travers cette crise. Et je veux terminer, avant de vous l'envoyer sur ce champ-là que je viens de vous parler, je veux terminer en priant spécialement pour notre gouvernement. Vous savez, les personnes que vous voyez à tous les jours, soit pour le Canada à 11 heures ou soit pour le Québec à 13 heures, sont là, puis je suis vraiment fière de dire que j'ai un premier ministre québécois, parce que je suis québécoise, moi je suis au Québec, pour ceux qui ne le savaient pas, puis qui me suivent ailleurs, je suis fière de dire que mon premier ministre, il est là à tous les jours, il m'encourage, puis je prie le Seigneur qu'il puisse aller parler à son cœur, parce qu'il peut le faire. Donc, on termine en priant pour... tous ces gens qui sont au combat présentement, et je vous laisse avec ce chant après. Je vous souhaite bonne semaine tout de suite. Alors, allons-y, prions ensemble. Seigneur Jésus, je veux te prier pour M. Legault, M. Trudeau même, qui est au Canada, puis même dans tous les autres pays, Seigneur, s'il y a des gens qui m'écoutent, qui viennent de d'autres pays, je te prie pour leur gouvernement aussi. Tous ceux qui sont au front présentement à travers le globe terrestre, les infirmières, les médecins, les gens de la radiologie, les épiciers, les gens dans les quincailleries, tous ceux qui doivent sortir, qui peuvent pas rester chez eux parce qu'ils doivent aller servir nous-mêmes, la population, je te demande de mettre ta main de bénédiction sur eux, ta main de protection. Et Seigneur, je te demande d'aller parler au cœur de notre premier ministre, tous les premiers ministres qui sont au front présentement puis qui essayent de trouver des solutions afin qu'on puisse être libéré de ce petit microbe qu'on peut même pas voir à l'œil nu, mais qui fait tant de ravages autour de nous. Dans ton nom, j'ai prié, Jésus. Amen. Bonne semaine. Restez à l'écoute. Sondez vos cœurs. Transformez pour la gloire de Dieu. Amen. Bye-bye.